Bonjour et re-bienvenue dans la vidéo de Let's Play de The Evil Within avec la suite du chapitre 4. Donc, il est tard, on est en pleine nuit, c'est parfait. J'augmente un petit peu le son. Ah, je m'en souviens. On n'est pas de ce couloir. Ah oui, c'est juste après avoir tué... Bon, allez. Donc normalement, une heure de vidéo, comme... enfin pas comme d'habitude, parce que j'ai jamais fait une heure. Ah, c'est le truc que j'ai poussé qui a fait le bruit, ok. Moi j'aime bien la déco. Je vais faire pareil chez moi. Enfin, quand... enfin bref. Non, c'est fermé. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? En tout cas, il y a beaucoup de sang. On va d'abord prendre ça. Ça ressemble... Bah oui, c'est l'hôpital. Toi, tu vas te réveiller, non? Je le sens comme ça. Ah non, putain, ta mère, pas ça. Pas ça. Oh que non, pas ça. Oh, mais casse-toi. Oh mon dieu. Non, c'est verrouillé. Mais quel con. Je... Ah! Non, 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 non. Putain. Allez mec, arrête de... Oh mon dieu. Comment on fait? Où on va? Là! Là, 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 là! Non, non, je sais pas où on va. Non, je vais crever. Ah, c'est peut-être ça. Oui, je prends le temps, moi, de... Alors ça, c'est vachement utile, ce que je viens de faire. Bon, mais je sais ce qu'il faut faire après. Vas-y, tue-moi. D'accord, donc... Ah ben, c'est bon. Mais comment on fait là après? Ah bah c'est là. J'avais pas vu. Bon bah saute, hein. Je sais très bien que t'es... On va passer par là. Ouf! Qu'est-ce que tu veux? Oui mais si tu pouvais s'il te plaît éviter de faire ça. Dépêche-toi. 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 Oh. Tiens, je te brûle, toi, parce qu'on sait jamais. C'est quoi cette connerie encore? Oh non! Hop, hop, hop! D'accord. J'aurais peut-être dû me dépêcher en fait à sortir. Putain. Ah oui, d'accord, c'est qu'elle m'explose bien la tête en fait. Hein. Bon. Voilà le moment flippant du jeu en fait. J'ai dit que j'allais tout prendre avant. Oui, j'arrive. Allez hop, on y va. Lâche tout! Putain, je l'avais zappé ça! Putain, mais c'est pas possible! Oh merde, j'ai plus de... Qu'est-ce que tu veux? Allez, dépêche-toi! Oh, puis en plus, je peux plus courir, alors c'est une horreur. Mais j'ai plus de quoi me soigner en fait, tout simplement. Donc ça va être très très chaud. Donc là, au lieu d'attendre bêtement, bah, il va falloir que je sorte. Et que je me dépêche, mais ça va être compliqué vu que je suis un petit peu...
Ah, ça remonte en fait. Dépêche-toi, putain, bah, le souci c'est ça quoi. Ah, mon dieu. D'accord. La vache, c'était juste. Bon. J'aime pas trop cette créature de merde. Tout va bien. Ah, des balles. Bon, alors j'en profite de ce moment d'accalmie. Je profite de ce moment d'accalmie pour voir si toutes mes armes sont rechargées. Ok, sauf que... voilà. Je peux peut-être en fabriquer d'autres. Ok, donc tout ça c'est bon. Ok, on va garder ça. Bon, alors d'autres frayeurs dans ce style? Non, 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 pas tant. Laissez-moi tranquille, en fait, au bout d'un moment, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Non mais ok, quoi. Ah ben, fin du chapitre 4. Bon, je vais couper la vidéo, la remettre, la suite direct après, parce que bon, là, du coup, ça a pas duré longtemps. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut! Et voilà, nous sommes donc repartis pour le chapitre 5. Donc la vidéo juste avant, qui fait que 8 minutes, je pense que je vais la mettre au début. Quelqu'un tient vraiment à m'hospitaliser. Effectivement, parce que elle fait que 8 minutes, donc si j'avais su, j'aurais continué ma dernière vidéo pour faire tout d'un bloc, le chapitre 4, mais comme je savais pas, bon ben voilà. Donc c'est un petit peu débile de laisser une vidéo de 8 minutes comme ça sur ma chaîne, alors je vais peut-être la mettre avec celle-là, je sais pas encore, je vais voir comment je vais faire. Donc, abîme intérieur. Bon, on va aller là déjà. Déjà, on va prendre... Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a attribué... Hop, je mets ça. Qu'on m'a attribué un nouveau partenaire, mais la bonne, c'est que Mira m'a dit oui. Et puis, ce n'est pas si grave, Joseph est un excellent inspecteur et nous formons une bonne équipe. Les forces de l'ordre de Crimson City ont besoin d'hommes de sa trempe et c'est un honneur de faire équipe avec lui. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on essaie de maintenir à flot un navire qui prend l'eau pour... Chaque crime résolu, 10 autres sont commis. La police de Crimson City n'est qu'un mince rempart protégeant la population des criminels, et parfois ces derniers semblent être les plus nombreux. Ok. Mais c'est bon, va falloir arrêter de faire ça, ça me fait peur. Nécessaire, mon cul, oui. Pardon ? J'adore le bruit de l'horloge, c'est vachement rassurant quand même. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Et donc? Attends, c'est quoi ça?
L'enquête sur le tueur en série piétine. La communauté reste prudente, invoquant l'absence de nouvelles pistes. La police soupçonne le tueur en série de s'être caché ou d'avoir quitté la région. Sauvegardons. Il y a tellement de sauvegardes automatiques en même temps que... Donc tu ne m'avais pas vu depuis longtemps, d'accord. Pourtant je n'étais pas absente super longtemps. Bon bah on va aller là. Hein. Je sais plus ce que... Non, j'ai pas récupéré de clé ni quoi que ce soit. Mais par contre c'est pas... Ah si. J'avais l'impression que ça avait changé, non? Non, c'est toujours pareil. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a changé le bureau, la porte, ou je sais pas, ou c'est que c'était déjà ouvert avant. Bon, j'ai pas de clé, donc ça sert à rien, je sais ce que je pensais. Hein? Ah oui, c'est que tu peux y aller comme tu veux, quoi. Tais-toi. Parce que j'ai 2400, est-ce que j'attends encore ou est-ce que... Non, je vais attendre. 2400, c'est pas beaucoup pour augmenter les capacités. Voilà. He's watching me out. Enfin bref. Alors les longs couloirs comme ça, non. Bah c'est pas l'hôpital où je suis là. Putain. Non là ça commence à devenir un peu glauque là. Oh monsieur, faut te soigner, t'as une mauvaise toux quand même. Je suis pas à l'aise du tout. Il y a quelque chose qui s'est ouvert là. Non. Mais c'est un peu dégueulasse votre truc. C'est quoi le délire là? Putain, espèce de con! Mais dégage! Ah bah oui, je vais mourir parce que j'ai pas... Putain merde, j'avais zappé que j'avais pratiquement pas de vie quoi. Alors les ennemis invisibles, c'est une très mauvaise idée. Bon, bah déjà j'avais sauvegardé là, bon bah du coup. Dépêche. On va voir si on peut pas augmenter la vie ou je ne sais pas trop. Ouais, parce que jauge de vie, voilà, ça demande 10 000, quoi. J'ai que 2400, ça va pas le faire, quoi. 2400, je peux augmenter les attaques au corps à corps, c'est super. Je peux augmenter la cadence de tir, capacité, précision, coup critique. Ouais, ça je peux pas, ça, grenade, on s'en fout. Ouais, je ferais bien la visée quand même, la précision, parce que c'est vrai que je tire souvent à côté. Allez, bam. Allez, hop, on va mettre... voilà. Je pense qu'à mon avis, ça va être compliqué. Si je trouve pas de soins ou... c'est quoi derrière? Un truc qui traîne, non? Non. Oui, si je trouve pas de soins, enfin voilà, ça va être très compliqué pour moi, quoi. Surtout avec un ennemi invisible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout sortir mon fusil à pompe. Merci. Donc, je vais avancer maintenant que je sais qu'il vient derrière moi. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah non, je crois qu'il y avait un truc qui brillait. Mais ils veulent pas me donner de... C'était pas ouvert ça tout à l'heure-ci? On peut pas se cacher en tout cas. Putain, ah, tu sais quoi? Putain, je crois que je vais surtout courir. D'accord, donc c'est pas ouvert. Putain, mais merde! Alors ça va être chiant, mais qu'est-ce que ça va être chiant, putain. Je suis désolée, hein, la vidéo sera totalement débile.
Je vais y arriver, hein. Je ne désespère pas. Bon, on s'en fiche, on se barre tout de suite, on va pas augmenter notre précision, parce que ça sert à rien, apparemment. Je vais direct me barrer. Mais à moins que... Ah, mais attends, j'ai pas de la vie dans les casiers, là-bas, là. Dans tout ce que j'ai pas pris, j'ai pas un truc de vie. Une seringue. Ah bah non. Ben, c'est con. Ah, putain. Alors, du coup, c'était une seringue, c'est ça? Putain, j'en ai une. Mais merci, quoi. Allez, pique-toi. Ah ben voilà. On va crever, peut-être, mais moins vite. Et c'est bien. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est en regardant dans tous les miroirs que tu peux te barrer, quoi. T'es pas obligé de... C'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, où ça? Bon, elle est là, hein. C'est bon, ça suffit. Bon, je sais qu'ici, il n'y a rien. Alors, t'es derrière, mais... Ah, je t'ai vu. Ah, t'es là. Merde, t'es où, connard? Putain, ben voilà! Puis je te brûle parce que tu m'as énervé. Enfin, quoi. Donc, si je le reprends... Ouais, j'ai plus qu'une balle, donc on va peut-être éviter maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Donc là, non, j'y suis allée tout à l'heure. Là, par contre, j'y suis pas allée. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah ben, c'est allumé. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je pense qu'il y a rien. Enfin, je crois pas. Bon, c'est moi qui fais le bruit, là. Ben, on va avancer en fait. Je peux ouvrir ça? C'est... Ouais. D'accord. Bon, ben, dégage. C'est marrant ça. Allez, c'est parti, on s'en va de ce truc. Là, ça commence à devenir particulier. En fait, tout ce qui se passe dans des hôpitaux, j'ai horreur de ça. Comme contexte, c'est le truc qui me fait le plus flipper, je crois. Il va falloir que je descende. Magnifique. Ça, j'adore. Bon, ça... On sait jamais. Alors, la musique aussi qui se met à faire des trucs, je sais pas trop pourquoi, elle commence à s'énerver et je suis pas trop rassurée. Bah, descends, quoi. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, donc... Non, non, descends. Oh putain, alors ça commence à bien faire. J'aime pas ça du tout, mais alors pas du tout.
Ça, faudrait que je tire dedans, non? Ou non, attends, range ça. Non, range ça. Peut-être juste que je tape. Mais peut-être qu'aussi je vais attirer du monde, non? Pardon, c'était quoi ça qui venait de bouger derrière moi? C'est un bug ou c'est un truc qui a bougé tout seul là? Putain! C'est un rat! Merde. Ah merde alors! Alors ça par contre c'est... Bon, je brûle le rat. Mais ça sert à quoi? Je viens de tuer un rat et qui transportait une... D'accord, une... Ok. Bon. Quand faut y aller, faut y aller. J'aimais bien en plus la première partie du jeu où il fallait juste être discret et... Ah, déjà si je meurs au moins... Putain, la musique! C'est fermé. Il me faut une clé magnétique. Plus d'ennemis invisibles, s'il vous plaît, j'ai horreur de ces trucs. Oh putain, il y en a. Vas-y, bouscule 2-3 trucs que je vois où t'es. Ah. Tiens. Tiens. Est-ce que je peux te brûler? Vite, 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 vite. Est-ce que je peux te brûler? Non, je peux pas te brûler. Ah, mais c'est bien avec ça, parce que tu vois. Ah, pas bête, ça. Mais je vais te brûler quand même. Avec ça, après, tu les vois. Ah, je vais peut-être me battre qu'avec l'arbalète agonie pour ces ennemis-là, parce que, du coup, grâce à ça, je peux voir où ils sont, en fait, après. Alors, on va se refaire vite fait... Non, on peut pas. Ah, mais j'en ai déjà... Ah, ok. Là, c'est explosif, ça c'est aveuglant. Bon, bah, au pire, je fais ça une fois et puis. C'est con qu'on puisse pas les récupérer. J'essaie de voir s'il n'y a pas 2-3 trucs à récupérer. Peut-être j'ai une meilleure idée. Si je balançais des grenades aussi. Ça, je vais le mettre à la place du fusil à pompe. Je suis concentré. Hein. Même si je pense qu'ici il n'y a plus rien quand même. Ah. Non, non, je te vois. Tiens!
Ah bah alors celui-là, je l'ai pas loupé. Faut que j'arrête de les brûler comme ça. Mais bon, pour le plaisir. C'est vrai qu'on m'avait dit que... Moi, je pouvais en mettre sur le sol, en fait, des canons d'arbalète, ça fait comme des explosifs, quoi. Qu'apparemment, s'ils explosent pas, ou alors je sais plus trop si c'est ça, ou... Faudrait que je vérifie. Mais je vais pas avoir que ces ennemis-là. Parce que c'est très très chiant, hein. En plus, j'ai plus trop de munitions. Il y a toujours une télé en marche qui traîne comme ça dans les films d'horreur. Dans les jeux d'horreur. Dans les films aussi. Bon. En tout cas, il y a un truc qui est bien, c'est que tu sais qu'il y a un ennemi parce que l'œil s'affiche. Donc l'effet de surprise est un peu raté, mais... Alors, qu'est-ce que ça va être cet embrouille encore? Il n'y a pas d'autres trucs à récupérer avant? Non. Carte magnétique de l'hôpital. Cette carte magnétique appartenait à un membre du personnel de l'hôpital. Elle semble tachée de sang. Bah, remarque, oui. Qui n'est pas taché de sang, hein? Qu'est-ce qui n'est pas taché de sang dans ce jeu? Il y en a un petit peu partout. Bon, allez, on retourne. Alors, à mon avis, le chemin en sens inverse va être semé d'embûches. Hein. Je ne vais pas pouvoir retourner à la porte comme ça. Ah, alors déjà, j'entends que ça... Attends, je vois pas l'œil, moi, hein, c'est que c'est bon, hein. Ah, putain. Putain, il faut que j'arrête de tirer comme ça dans tous les sens. J'ai plus qu'une balle, ok. Je suis en train de faire un peu de la merde, hein. Je sais que t'es là. D'accord, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis en train d'utiliser tout ce que j'ai. Et du coup, c'est un peu de la merde en fait, parce que j'ai plus de munitions pratiquement, donc sinon tout va bien. Là par exemple, est-ce que je peux fabriquer des carreaux d'arbalète? Bye, voilà, je peux plus. Bon, il me reste des grenades. Il me reste une balle. Bon, bah, du coup, l'arbalète, je vais peut-être mettre ça à la place parce qu'il me reste encore un peu de balles. Ah, bah, il me reste un truc de soin encore. Ça, j'en étais sûre qu'il y en aurait d'autres de toute façon. Mais il n'y a pas autre, un autre moyen de débuter, parce que franchement, pour te faire utiliser tes munitions, ça c'est génial, quoi. Bon, après, c'est moi aussi, je m'y prends un peu comme un pied, mais... Allez, qu'on en finisse, là. Il y en a marre de ces ennemis là. Puis les munitions, il n'y en a pas tant que ça. Hein. La musique a l'air de se calmer. Voilà, c'est bon. Hop là. Rien m'amuse. D'accord, toi, tu me fais chier. Toi, je t'aime pas, j'aime pas ta gueule. Viens là. Attends, j'enlève mon déambulateur et j'arrive. Là. Bon, attends, je te suis, mais 2 minutes.
si je peux récupérer des trucs. Alors tu me fais spawner encore ta créature à quatre bras là et on descend très bien. Descendons dans l'obscurité, les profondeurs de je ne sais pas quoi, d'un asile. Ah ok. On est bien là. Tout va bien. Ah. Oh, je le sens pas ça, j'aime pas trop ça. Ah. Attends, je vérifie quand même. Oui. Ah ok, d'accord, donc je peux choisir la porte. Bon, je vais aller à celle-là parce que je préfère. Je sais pas pourquoi. Je sais, en fait, j'aime ni l'une ni l'autre, hein, que ça soit clair, hein, mais il faut faire un choix. Oh mon dieu. Assimilation de la conscience du sujet. Premier symptôme, douleur aiguë dans le tronc cérébral au niveau du point d'insertion. Suivi d'une hémorragie graduelle résultant de la dilatation des capillaires. Au bout d'un temps, la dégradation de l'ego génère des tendances suicidaires. Ils ne savent plus qui ils sont, et deviennent aussi facilement malléables que l'argile. Mais pas moi. Quelque chose m'empêche de rester complètement en contact. Ok. Je crois qu'il n'est pas tout à fait mort en fait. Hein. Ah mon dieu. Alors c'est quoi? C'est soit ça, il y a un truc inscrit là ou... J'appuie sur n'importe quoi en fait. Sur ce que je veux. Non, je pense que j'appuie sur ce que je veux surtout. Bon, on va tenter, hein. Le pauvre. Je sais pas trop ce que ça va faire et j'aime pas trop cette option de... Oh mon dieu, d'accord, ok. Ah mais c'est juste dégueulasse. Ah oh, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Ah, c'est qu'il y en a trois. Bon bah déjà on va faire ça. Ok. C'est super génial. Pourquoi je me suis lancée dans ce jeu? Pourquoi? Va falloir m'éclairer un jour. Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'on peut arrêter ce machin aussi? Parce que c'est très très énervant. Bon, bah on va choisir la belle fleur. Mais en fait, ça fait pareil. Et encore, et du coup, va falloir faire la troisième. Je sais pas si ça change quelque chose le fait d'appuyer sur tel ou tel bouton finalement. Mais c'est juste génial. Ça m'étonne que dans l'autre pièce, il n'y avait rien à récupérer.
Il ment et à son propre fils la chair de sa chair, c'est révoltant, il ne souffre plus, sale hypocrite, sale moralisateur, je sais tout. Je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même, il essaie encore de me punir, il n'a jamais apprécié notre proximité, il pense pouvoir l'utiliser contre moi, il me prend pour un demeuré, Laura n'est pas morte. Ok. C'est la même chose. Ah non, il y en a 4 là et là il y en a 3. Ok. Bon. Ça y est, c'est reparti. Oui, oui, bah je vais pas. Ok, donc ça a ouvert un truc. Donc c'est génial, j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais pas. Eh, hey, mais pourquoi c'est toujours ouvert ça? Il y a sûrement un truc à récupérer que j'ai pas vu. C'est bizarre qu'il y ait des trucs à récupérer partout sauf dans cette pièce en fait. Ah mais il y a des fleurs et des trucs là. En fait j'aurais peut-être dû regarder les dessins en fait avant. Bah non, il n'y a rien à récupérer, mais c'est bizarre quand même que cette porte là reste ouverte. Bon tant pis, il n'y a rien à récupérer, il n'y a rien à récupérer. Ah bah en fait les trois restent ouvertes, je suis un peu nul. C'est génial. Putain. Est-ce qu'on pourra bientôt retourner dans l'espèce de hub à la con que je puisse utiliser mes points? Bon. Ah, il y a quelqu'un. Déjà, il y a au moins une personne. Joseph. Ça a l'air d'aller. Je sais pas si ça va. Mais je suis loin d'être en forme. C'est toi qui m'as amené ici. J'ai vu qu'il y avait un truc à récupérer derrière. Ouais, je... Joseph. Non, ça va pas aller. Et je sens que tu... Maintenant, ne consomme pas d'objets de santé. Attends, 2 minutes. Je récupère juste ça. Je fais mes petites emplettes avant. Je vais te soigner, t'inquiète. J'ai besoin d'aide. Oui, oh, ça va. Il me reste encore un peu de force. Ah putain, il va falloir se trimballer pour qui... D'accord. Mais là, je peux pas sortir, non, c'est pas par là en fait. Tout simplement. Dépêchons-nous de filer d'ici. Est-ce qu'il est aussi neuneux que l'autre que j'ai dû me trimballer, le docteur, là, je sais pas quoi. Pardon, je t'ai fermé la porte au nez. Hop hop hop. Ah mais c'est que t'as une arme. Ah ben voilà, on retrouve les bons vieux ennemis là. C'est par là donc, mais si je vais par là, ça me fait quelque chose. Il y a des trucs à récupérer là? Ah peut-être. Non, finalement. Hé, mais il y a plein de casiers là, il y a plein de trucs. Enfin, peut-être, dans certains. Là, par là. Oh. Ben voilà.
Ah bah il y a même des cadavres. Bon, alors. Tiens, t'es là. Bon, cette fois, on va se la jouer furtif parce que, avec toutes les munitions que j'ai utilisées tout à l'heure. Je vois pas où il est par contre. Donc il est plus par là. Bon, bah putain, je préfère nettement ses ennemis, hein. Non, ça va, je croyais qu'il allait là. Mais je suis con quoi. Bon, c'est pas grave. Ah bah, j'ai tout. Non mais c'est que... Je vais en brûler hein. Non je peux pas, d'accord. Non bah si tu veux pas. Pardon. Ah bah. Alors là, je viens de faire la plus grosse connerie de ma vie. Ah, pardon. Non, mais vas-y. Je suis pas trop d'accord. Alors. J'aurais dû balancer une grosse grenade, en fait. Il peut les tuer, lui? Oui. T'es mort? Bon, toi, t'as l'air d'être mort. Bon, alors là, j'ai fait pas du tout ce que... Non. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé de me mettre en discret, j'ai couru. Comme une neuneu. C'est moi. Enfin bref. Voilà. Hein. Après je vais me plaindre que j'ai plus de munitions. Quand tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, hein, si tu veux. Bon. Branche ça. Voilà. Il y a une mouche qui me... qui arrête pas de tourner autour, là, ça me saoule un peu. Tout à l'heure... Non, on va pas par là, on va par là d'abord. Foutu les boules ce truc là, ça se trouve il est pas mort. Bon, s'il a l'air. Pardon. Pardon, c'est pas drôle. Ah, des carreaux d'arbalète, enfin. Pardon. Pardon. Voilà. Ah. Bah ben voilà. Ah, ben je savais bien qu'il allait se réveiller. Ah, ben j'étais un peu sur sa tête, maman. D'accord, ok. Vite, brûlons-le. Ben bouge ton cul. Ah ouais. Non, mais c'était marrant, en fait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Se mettre au-dessus, comme ça. Et... Parce que je sais que tu peux le finir en... En lui marchant dessus, en lui écrasant la tête et tout, mais je savais pas que tu pouvais te mettre au-dessus et tirer comme ça. Ce qui sert à rien, apparemment. Bon, allez. Alors, je regarde juste combien de temps il me reste. C'est pas que je suis pressée de finir, hein, mais ça commence à être un peu long. Alors, il me reste un quart d'heure... Alors, il
Bon, poussez-vous, poussez-vous. Un quart d'heure. Putain, le temps n'avance pas vite, je trouve. Et les lumières rouges, c'est pas mon truc. Bon, je peux y aller comme ça. Je tiens à vous remarquer quand même, hein, au jeu. Hein. Je le lâche pas. Hein. Parce que je me souviens d'Outlast. C'est quoi tout ça? C'est quelque chose de sophistiqué. Pourquoi poser une bombe comme ça? Ah, c'est une bombe. Un moyen de t'en débarrasser. Recule. Oui. Je vais tenter de la désamorcer. Écoute, je... Mon respect si t'y arrives. Je suis tout cœur avec toi. De loin, mais... T'as raison, on va faire comme ça. Je vais même éteindre. Je vais jouer la furtivité. D'accord, mais il avance tout seul en fait, donc ça sert à rien. Mais c'est quoi ce bruit? Je croyais que c'était électronique. Ah bah oui. Ça va commencer à l'énerver là. Joseph, après Conley, j'ai cru que... Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me sentais pas très bien, mais... Écoute, on doit sortir de là. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ouais. En tout cas, je remercie les développeurs d'avoir pensé à ne pas mettre, ou de ne pas penser à avoir mis... Enfin bref, une jauge pour la lanterne, et que tu puisses la tenir, l'allumer tout le temps. Parce que... Mais un truc que je trouve relou, et que je trouve pas spécialement que ça rajoute à l'ambiance, c'est... Enfin si, ça dépend des jeux quand même. Mais celui-là, ça m'aurait fait beaucoup chier quand même qu'il y ait une jauge. Là, il n'y a pas trop besoin. Ah, je vais pouvoir sauvegarder. Je suis en train de... Hop là. Bon, je pense que je vais arrêter à cette sauvegarde, parce que là, c'est pareil. J'espère juste que je vais pas après faire la même connerie que l'autre vidéo et arrêter alors que j'arrive à la fin du chapitre. Alors... Y a rien à récupérer là? D'habitude, il y a toujours un truc à récupérer. Bah non, pas là. Bon, j'atterris là. Je le savais. De quoi? Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Ah ok, donc là tu vas me... faut aller, on va sauvegarder. Non, j'ai pas toujours pas de clé, je crois pas. Mauvais traitement. Des patients évoquent de mauvais traitements. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des patients de l'hôpital psychiatrique Bacon affirment avoir été victimes d'expériences comportementales menées par une organisation inconnue. Bon. Ah donc il y avait des journaux à récupérer, j'avais pas dû faire gaffe, donc il va vraiment falloir que je recommence le jeu. Allez. Peut-être la précision, je vais quand même augmenter la précision parce que c'est... parce que ça c'est 10 000. Ah quoique la précision c'est pas énorme je crois, donc attends. Je vais augmenter au moins une fois. Après 1500, bah nickel, puis je peux
je peux augmenter ma jauge de vie. Voilà. Voilà. Est-ce que... non, c'est bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Plus aucun respect pour les portes. Ah, est-ce que je sortirai pas là un petit peu à l'air libre? Ah, point de contrôle. Je vais quand même attendre. Il me reste 10 minutes. Ah non, c'est pas l'air libre. Là. Kidman! Faites-moi sortir de là! Attends une seconde. C'est encore un piège. Regarde. Bon, ça promet. Ah ben, salut. Je pense qu'à mon avis, je vais couper là, après la cinématique. Parce que je pense qu'il y a encore un petit moment. Il y a tout un passage où ça va se fighter et tout. Donc je préfère reprendre au point de sauvegarde où j'étais, ce qui reste plus que quelques minutes. Vu que je risque de mourir. Un genre de passage, généralement, je meurs au moins une fois, donc en 9 minutes, ça va être compliqué, je pense. Du coup, je vais m'arrêter là, et je vais bien voir si je suis rendue à la fin du chapitre ou pas avec la prochaine vidéo. Je m'arrangerai pour que ça soit pas le bordel dans les vidéos sur YouTube, parce que voilà, quoi, ça, sinon ça va être compliqué à vous retrouver. Donc du coup, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !